Tu sais, moi, si je veux, je peux apprendre l'anglais en quelques jours. Eh ben, ma petite, faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Ok, today we study the expression prendre les vessies pour des lanternes. Go off the brush, brush. Quoi? J'ai rien compris. Ça veut dire aller, du balai. Enfin là, je suis pas sûre que les Anglais eux-mêmes auraient compris. Ah bah tu vois, je suis pas si bête. En plus, je suis même pas blonde. Enfin, je crois. Là, je sais plus quoi dire. Ouais, non, tu vois, je suis brune. C'est pas jaune là. Bon, prendre des vessies pour des lanternes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se faire des illusions, se tromper grossièrement. Se planter grave sa mère. Se méprendre. Oui, car si tu crois que tu peux apprendre l'anglais en quelques jours, tu te mets le doigt dans l'œil. Grave. Bah si, sur internet, ils disent qu'on peut apprendre l'anglais en 30 jours. Apprendre déjà à parler le français. Autrefois, on gonflait et on séchait des vessies de porc. On mettait une bougie à l'intérieur pour en faire une lanterne. Ça coûtait pas cher. Une personne un peu stupide pouvait donc confondre la vessie avec une lanterne. Mais alors, quand les cochons ils faisaient pipi, ça éclairait? Oh putain, t'es pas une lumière, toi. Une autre origine vient du fait que le mot lanterne désignait aussi quelque chose d'absurde, une baliverne ou une histoire inventée. Une bouffonnerie. La vessie de porc ne contenait que de l'air, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça me rappelle quelqu'un. Hein? L'association de ces deux termes aurait donné notre expression. Les vessies de porc, on les utilise aussi pour faire des saucisses. Burk. Bah non, c'est bon les saucisses. Moi j'aime bien toutes sortes de saucisses. Mamie, tu vas pas recommencer. Nos amis anglais disent to think the moon is made of green cheese. Et ça veut dire ce qui veut dire penser que la lune est faite de fromage vert. Ouais, ils sont cons comme la lune, les anglais. Il n'y a pas beaucoup de fromage en Angleterre. Wesh, ils sont dégueu leur fromage. Et encore moins des fromages verts. Ne croyez pas ça. Mon fromager vend une merveilleuse tome fermière au basilic. C'est un vrai régal. Moi, je préfère les saucisses. Elle est vraiment dégueu, cette expression. Bon, à tantôt. Et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Faut pas pousser et de laisser plein de jolis petits pouces. Mets des commentaires pour réagir à cette expression.